L'athlétisme regroupe plusieurs sports comme la course à pied, le saut ou encore le lancer. Toutes ces disciplines se retrouvent dans l'école d'athlétisme du RFCL. Le but de l'école d'athlétisme, en fait, c'est d'enseigner les différentes disciplines de l'athlétisme progressivement, c'est-à-dire en fonction de l'âge de l'enfant. On commence par exemple par les kangourous qui ont 6 ans. Eux, ils font principalement des jeux, de la psychomotricité et seulement une approche de l'athlétisme. Puis ensuite, on a les benjamins, on introduit un petit peu de technique. Puis les pupilles, encore un petit peu plus de technique. Donc des techniques comme les lancers, les sauts, etc. Et en minime, normalement, ils auront touché à toutes les disciplines de l'athlétisme, sauf le marteau. C'est donc grâce à une équipe de moniteurs compétents que les enfants apprennent les bons gestes techniques tout en s'amusant. C'est chouette, j'aime bien faire du sport. C'est amusant, ça passe le temps, comme ça, je reste pas tout le temps chez moi. Je fais du sport pour être en bonne santé. J'ai des amis, etc. Donc je me dis que je vais continuer. Je m'amuse bien en venant ici. Une fois par an, le jeudi de l'Ascension, l'école d'athlétisme organise le tournoi international des Benjamins, pupilles et minimes. C'est donc 400 athlètes de tous les clubs du pays qui se sont rendus dans cette infrastructure provinciale pour ce challenge sportif. Et cette année, c'est la troisième fois en 5 ans que le RFCL remporte le tournoi. Et les performances qui ont été réalisées étaient de niveau national. Il y a eu vraiment des performances exceptionnelles qui ont été réalisées au niveau des jeunes, aussi bien en équipe, c'est-à-dire les relais, qu'en discipline individuelle. Grâce à leur politique de formation, ce club a réussi à amener des athlètes au plus haut niveau, comme par exemple Nafissa Toutiam, qui s'entraîne là-bas depuis maintenant quelques années. Elle s'entraîne depuis qu'elle est, cadette. Donc depuis l'âge de, 14 ans. Et elle était déjà extrêmement performante. Et déjà très impressionnante, et très très grande et très adroite. De temps en temps, je vois Nafissa Toutiam aussi, et ça c'est super. Je ne sais pas si moi je pourrais devenir comme elle, mais c'est comme un modèle quoi. Nafi, ce modèle pour les jeunes athlètes, sera aussi présente au Meeting International d'Athlétisme, une compétition organisée en partenariat avec Golazzo, le RFCL et la province de Liège.